vraiment de très bonnes impressions d'être reçu aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous savez, notre ami Dr Yao Alaa Kwame, qui est président de la Fédération Ivoirienne de Cyclisme, secrétaire général de la Confédération Africaine de Cyclisme et vice-président de l'Union Cycliste Internationale. Qu'il soit là aujourd'hui pour vraiment nous apporter le message de la Confédération, du président de la Confédération Africaine de Cyclisme et du président de l'UCI, je pense que c'est vraiment un honneur pour nous. Bon, c'est vrai que je l'ai toujours dit, le bon travail se paye. Parce que quand vous travaillez, vous êtes sûr qu'il y aura le résultat au bout. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à la facilité, parce que moi, c'est ça ma façon de voir les choses. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Que les gens vous disent que vous travaillez ou pas, continuez à travailler. Il arrivera un jour où les gens chercheront à vous voir parce que vous travaillez. Et aujourd'hui, ça, je félicite M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, parce que, comme il vient de le dire, nous l'avons testé en faisant une compétition à 6h, à partir de 6h du matin, rendez-vous. Et il était là à l'heure pile. Donc je pense que c'est très très important. Et j'avoue que j'ai été séduit par sa façon de faire. Parce que comme je le dis même au docteur Alaa Kwame, je dis, même si vous vous trompez pour l'appeler à minuit, vous éteignez après le téléphone, il va vous appeler pour dire, monsieur le président, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et parce qu'un ministre qui est en communication avec la fédération, avec ses acteurs, je pense qu'il va forcément aller de l'avant parce qu'il connaîtra les problèmes des différentes fédérations afin de trouver les solutions. Donc vraiment, je remercie M. le ministre pour nous avoir reçus et je remercie le docteur Alaa Kwame pour sa présence effective auprès du cyclisme malien. Et donc vraiment, je suis très fier aujourd'hui. Et il a dit, la suite, on verra bien, nous avons fait, comme il a dit, une très belle course le samedi à Koumantou. Et vraiment une très belle course, et avec que ce soit sur le plan participation et plan compétition, les jeunes, ils ont fait de très bonnes choses. Et donc, je félicite le ministre quand même pour tout l'engagement qu'il a pris. Et je pense que, et je lui fais confiance parce que les engagements qu'il a toujours eu à prendre avec la Fédération malienne des cyclistes, ça a été honoré aussitôt. Tout d'abord, nous sommes honorés de la visite du président de la Fédération ivoirienne des cyclistes, mais en même temps secrétaire général de la Confédération africaine des cyclistes. Nous avons eu l'immense plaisir de ce matin, en compagnie du président de la Fédération malienne des cyclistes, de faire le tour de l'horizon, le tour d'horizon des réalités du cyclisme malien, du cyclisme africain, des opportunités mais aussi des difficultés, pour que ensemble nous puissions œuvrer à une redynamisation accrue de l'activité du cyclisme dans notre pays et dans nos pays respectifs. Je pense que le cyclisme malien aujourd'hui se porte bien, mais il peut se porter mieux. Il faudrait qu'on s'y mette davantage. J'ai exprimé toute ma disponibilité aux deux présidents, aussi bien dans le contexte national que dans le contexte africain, la disponibilité du gouvernement du Mali à être au rendez-vous à chaque fois que nous devrons y être, à chaque fois que notre appui, notre disponibilité est nécessaire, nous serons là. Et j'ai noté avec satisfaction les records maliens qui m'ont été classés par le président, le secrétaire général de la Confédération africaine du cyclisme. Ça m'honore, ça nous honore en tant que Maliens et ça nous pousse à faire mieux et à accompagner davantage la Fédération malienne du cyclisme. J'ai noté également avec beaucoup d'espoir la faisabilité du Tour du Mali avec la participation de plusieurs autres pays, pour que notre pays renoue avec les grands rendez-vous sportifs, particulièrement les grands rendez-vous du cyclisme. Donc le ministère des Sports sera aussi à leur côté pour préparer ensemble cet événement pour le réussir. Donc je les ai rassurés de notre disponibilité également à ce niveau. Nous allons nous mettre ensemble pour que tous les rendez-vous se tiennent dans un esprit d'équipe.
dans un esprit de complémentarité. Nous avons également noté le rendez-vous du Caire, où notre fédération doit être présente. J'ai rassuré le secrétaire général de la Confédération africaine de cyclisme que nous allons encore aussi à ce niveau-là tout mettre en œuvre pour que notre fédération soit à ces rendez-vous et qu'elle soit soutenue pour qu'elle soit à ces rendez-vous et qu'elle joue pleinement son rôle et occupe dignement la chaise du Mali à ces rendez-vous-là. Donc je pense que c'est un cyclisme malien, un cyclisme africain en bonne forme, avec beaucoup d'ambition et avec des beaux rendez-vous qui a été à l'ordre du jour de notre échange. Je remercie encore une fois le secrétaire général de la Confédération africaine de cyclisme et président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Je remercie le président de la Fédération de cyclisme de notre pays et je les rassure encore une fois de plus notre disponibilité pleine et entière à faire rayonner ensemble le cyclisme malien et le cyclisme africain.